bienvenue au Forum d'investissement. Très rapidement, je veux juste vous donner un petit mot par rapport à pourquoi nous sommes là. La raison de l'investissement, l'idée est née quand Égide et Emmanuel parlaient sur comment on pouvait, en tant que Rwandais, se rencontrer. Et pas seulement pour des mariages ou pas seulement pour des soirées, mais un endroit où on peut se rencontrer pour parler sur les choses, les idées rwandaises et parler surtout comment avancer le pays. Et alors l'idée est née parce qu'on voulait rentabiliser des opportunités et que ce ne soit pas seulement une opportunité de s'asseoir et de parler, mais qu'on en tire quelque chose. Et c'est de cette idée-là qu'on a tiré l'idée d'avoir des hôtels. Alors pendant cet après-midi, on va étudier sur comment le faire, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce que le gouvernement canadien nous demande, comment le faire ici, comment investir au Rwanda. Et on va avoir des gens qui vont nous parler là-dessus. Pour l'instant, je veux accueillir ceux qui vont danser avant de commencer et de continuer. Merci. Qu'ils déboucheront sur des résultats concrets et réalistes
dont la mise en œuvre aidera à renforcer votre contribution au développement national. On m'a demandé de venir vous parler de fonds de pension, retraite et problèmes des immigrants. Quand Égide m'a demandé de le faire, là, je me suis inquiété. Je me suis dit, ben, il a vu déjà que je commence à vieillir. Et mes amis savent combien j'ai peur de ça. aujourd'hui, donc, je viens vous parler de ça. Il m'a demandé donc de dresser la table par rapport justement aux nombreux projets, d'ailleurs très ambitieux, qu'il y a. Donc, je vais dresser la table et après, on va personnes viendront compléter la présentation. J'ai coupé ma présentation en deux parties. Je vous présente les régimes de retraite au Canada, donc ce à quoi vous allez pas. Vos prochains revenus. Et deuxième partie, je veux parler des problèmes, justement, les défis auxquels feront face les immigrants, parce que ce n'est pas la même chose que les natifs d'ici. Je vais être rapide là parce que on a quelques minutes rapides. Pour les généralités, comme je disais tantôt, je me préoccupe de la retraite, donc je vieillis. C'est ce que tout le monde pourrait penser. Mais ça, je vous dirais que c'est très faux, surtout pour nous qui vivons ici dans ce pays. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on doit penser à la retraite. Il faut penser à la retraite avant de vieillir, sinon c'est trop tard. Donc c'est ça le... D'ailleurs, ça devrait être le message de toute ma présentation. Mon nom, c'est Jean Bosco Saboro. Je suis économiste à Statistique Canada. Mais aussi, je suis un investisseur privé dans l'immobilier. Disons que mon exposé va porter plus sur des généralités. Mais si vous avez des questions bien précises, vous pouvez me les poser lors de la séance de questions. Donc, pour la présentation, je vais faire un aperçu du marché de la revente, aperçu du marché locatif, les nouvelles règles hypothécaires, les dernières. Quand on veut s'acheter une propriété, il y a des gens qui disent « Oh, taux d'intérêt fixe ou variable ». Et puis, la demande de prêt en groupe, ça je vous en parle parce que dans notre expérience avec Rwanda House Inc., qui était quand même une entreprise incorporée, on a eu de la difficulté à demander des prêts en groupe. Je vais explorer ça. Et puis, je vais parler de la notion de rendement des chairs en économie. Et puis, je vais essayer de l'appliquer à la communauté rwandaise pour voir qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Et puis aussi, je vais parler des antécédents culturels rwandais qui peuvent faire que, des fois, quand on travaille en groupe, on peut avoir des difficultés. En quelque sorte, c'est d'éviter, certaines erreurs ou présenter les leçons apprises. Alors, Gopatius, qu'est-ce que c'est? C'est une firme d'évaluateurs agréés, Chartered Appraisers en anglais. On est donc des spécialistes en immobilier. On travaille principalement dans des propriétés de type investissement. Donc, certains de nos bureaux dans quelques marchés canadiens font également l'évaluation de maisons. Mais je vous dirais que c'est la grande majorité, et c'est la grande minorité. La grande majorité, c'est plutôt des propriétés de type investissement. Donc des immeubles à revenus, multirésidentiels, édifices à bureaux, centres commerciaux, propriétés industrielles et évidemment des hôtels. Alors c'est 1700 employés à travers le monde. On est une entreprise qui est cotée à la Bourse de Toronto. Le symbole, c'est AIF. Très bonnes opportunités de rendement pour ceux qui cherchent des rendements. Ça donne un dividende. Un revenu d'à peu près 9% de par les temps qui courent, donc c'est pas mauvais. On a 50 bureaux à travers 11 pays, dont les principaux, le Canada. On a juste au Canada, on a 22 bureaux. Donc tous les grands centres urbains de Halifax à Victoria sont couverts. Évidemment, on a un bureau à Montréal, on est une centaine de personnes à Montréal. 5 unités d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous, chez Gopaltus?
Donc, je vous dis qu'on est une firme d'évaluateurs, mais en réalité, c'est comme la, c'est la pointe de l'épée. On a une division qui s'appelle... C'est un immense plaisir d'organiser ce forum économique, oui, parce que nous avons toujours voulu contribuer au bien-être de notre communauté, oui, Rwanda, Montréal, du Canada, oui, des États-Unis, de partout. Oui. Nous avons, nous les gens qui sont ici depuis plus de 20 à 30 ans, oui, nous avons une responsabilité énorme de voir que nos membres de nos communautés, nous n'avons pas une seule salle qui nous appartient. Oui. On n'a aucune œuvre. On n'a aucune place pour nous. Oui. Nous avons chacun essayé de rester individuellement, mais nous sommes dit, c'est tous nous les plus vieux, de dire qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, à l'instar des autres communautés italiennes, juives, grecques, et j'en passe. Ils ont des œuvres, ils ont des activités qui démontrent qu'ils sont là. Nous, personne ne sait pas si nous sommes là, oui, parce que nous n'avons pas d'œuvre physique. C'est pour ça que nous avons organisé ce forum d'investissement pour expliquer, sensibiliser à nos compatriotes rwandais que c'est possible. Comme le principe de Nec dit, just you do it. Je veux penser que nous, c'est le temps de mettre nos moyens ensemble, bien encadrés dans les règles de l'art, par les économistes, par les juristes, par les notaires, pour que les Rwandais de Montréal, du Canada, puissent faire un investissement commun, bien encadré. Et cette fois-ci, donner la chance à tous les Rwandais de préparer des retraites et surtout de pouvoir investir dans leur pays d'origine. Tu ne peux pas être un membre de la diaspora, vouloir aider ton pays si toi-même tu ne parviens pas à t'aider. C'est vrai. Si tu n'as pas de pieds pour marcher, tu n'as pas de pieds pour marcher, tu ne peux pas avoir de pieds pour danser. Oui. Donc on s'est dit, ayons la force ici, créons une force ici pour pouvoir justement donner une chance à notre diaspora de se consolider. D'accord. C'est dans ce cadre-là que nous avons organisé cet événement et je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et ça, c'est à l'image de notre pays d'origine. Le Rwanda, c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui a un bon leadership, c'est un pays qui est venu de loin depuis 1994 après le génocide, mais qui a déjà dépassé de loin beaucoup de pays du monde entier. Nous sommes cités maintenant 73e pays au niveau de l'économie galopante, donc ça veut dire qui croît très vite. Okay. Alors pourquoi pas nous, comme Rwandais, on ne peut pas imiter justement notre leadership qui nous a donné justement cette dignité. Oui, un des exposants a souligné le fait que il y a un manque d'unité. Bon, ils ont évoqué le Rwanda, mais c'est valable pour tous les pays africains. Êtes-vous optimiste aujourd'hui? Je suis très optimiste. Oui. Justement, j'ai voulu démontrer que c'est possible. Nous voulons démontrer que c'est possible. Oui. L'optimisme que j'ai, justement, doit convaincre. Et c'est ça pourquoi les gens ont été attirés pour justement venir nous écouter les experts. Et nous voulons justement essayer de rassurer les gens pessimistes parce que l'expérience antérieure a été malheureuse. Nous voulons lui montrer que c'est possible avec la nouvelle bonne expérience. C'est pourquoi je suis très optimiste pour aujourd'hui que les gens sont arrivés. Eh bien, on espère que ça va bien aller et puis je tiens juste à vous remercier beaucoup d'avoir accepté de parler au Montréal africain et on vous souhaite bonne continuation parce que ça, on a besoin de ces choses comme ça pour la communauté rwandaise et pour la communauté africaine ici. C'est moi qui vous remercie. Merci monsieur. Merci.